Ils viennent d'où ces mecs? Okay.
Ouais. Celui, je tourne en rond ici. Bon, on vient de lire quelques-uns de ces bouquins là, et. Apparemment, il y aurait une espèce de galerie secrète en haut de l'église. Tu peux y aller? Ouais, il me semble bien. Entendu. Appelle-nous si tu trouves quelque chose. Par ici. Par ici. Ça doit être ça. Ah ah. Huh?
Wow, wow. Oui. Salut. C'est pas vrai.
Hey, Sally! Je t'écoute. Tu te rappelles Roman et Navarro et cette fausse piste sur laquelle tu les as envoyés? Ouais. Bah, ils sont assis pile au-dessus de la salle du trésor. Oh, tu parles un coup de bol. Bon, je vais avoir besoin d'une diversion pour qu'ils sortent. Aucun problème. Une diversion, je m'en occupe. Hey, Sally! Ouais. Après ça, retrouve-moi au mausolée. Mais passe par les catacombes, c'est bien plus sûr. Ok. Maintenant, faut juste que je passe tous ces gardes sans me faire repérer. Sullivan s'est échappé! Dispersez-vous et trouvez-le! Ouf. Salutations, Mimout. Je sais pas si tu m'entends beaucoup. On l'a eu! Ok. Chapitre 15, je suis... Il faudrait un silencieux quand même. Regardez Heroes Reborn en VO. Alors c'est bien ou pas? Apparemment c'est assez mitigé dessus.
Bon, on va faire que courir. Puis on n'a rien. Bon, bref. Mais apparemment, le héros, il voulait même pas signer pour une saison 2. Ça pourrait être utile. Si on a d'autres qui viennent en attendant. Alors, heureux ? Je te tiens ! Je te tiens, Ordure ! Oui. Tu es mort ! Ouais, super. En avant ! Tu vas regretter d'être né ! Oh, oh non, pas ça! Merci, Moumout. Tiens, j'ai tellement peur de mourir codement de l'autre côté, quoi. Si je passe, de devoir tout refaire, j'aurais pas deux fois la même chance. Que les mecs ils apparaissent qu'au fur et à mesure d'avance, bien sûr.
Essaye de tirer dans le vide pour les faire sortir. Ouais, t'as compris. Ok, bon. Oh. Ouais, trop bien fait quoi. N'importe quoi, j'aurais dû contourner le truc. Oh non, recommencer là. J'en étais sûr. Oh putain. Le voilà. T'es mort. T'es foutu, Drake. T'es cerné. Allez. Oh non. Ça pourrait être utile. Ouais.
Salut. Salut. Je savais qu'il y arriverait. C'est quoi la suite? Je sais pas. J'avance au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes au bon endroit. Une minute. Ces symboles servent bien à quelque chose. Vache, Roman et Navarro ont mis un de ces boxons ici. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Les affaires reprennent. Ouais. Oh, j'ai mal de crâne. Mais c'est pas les mêmes. Tu crois que ça mène où? Je sais pas. Peut-être nulle part. Hé hey. J'ai bien l'impression qu'il y a un passage par là. Oh là. Ouais, oh merde. Putain, c'est quoi ce truc? Bon, ça fait des chiens, c'est tout premier. Sullivan, tout va bien? Sully! Ouais, ouais, ça va.
Ils ne sont pas des émotions en fait. Ouais, bon. Retourne donc à la bibliothèque. On va chercher un autre moyen de sortir. Bon, on est obligé d'avancer. Ouais. Que dalle. Elle vient d'après que ça torche ou pas? C'est quoi cet endroit? Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Direction choisir. Il y a un truc qui brille là-bas. Je vais essayer d'y aller. Je ne peux même pas faire. C'était mieux. Est-ce que j'ai vu le truc qui brille? Attends un peu. Bon, on verra plus tard. Il y a des chiffres romains sur le coin de la carte. Ça veut sûrement dire quelque chose. 2, 5, 7. Je vais rester là à faire le guet pendant que toi tu trouves un moyen de traverser. C'est pas des trucs à fouiller. Allô, Kalec ? Il y a un symbole au sol. Ah, de l'escalier. Ouais, super. Et... pas celui-là. Mais pourtant, il y avait bien marqué 2. Attends, sur la carte, il y a marqué 2, 5, 7. Et là, on avait l'escalier, il y a bien un 5. Ah, il y a aussi un 5. Oh merde! Je suis complètement paumé. Ça doit bien servir à quelque chose.
passe quelque chose. Nate, t'as fait quelque chose? Ça commence à bouger pas mal en bas. Faut attraper la corde qui tourne. Sully, tu me reçois? Merde, que dalle! Putain, le truc qui brille. Comme quoi, Esker, tu vois, rien n'est jamais perdu. Oh putain, c'est pas possible. Tu feras gaffe au lampion. Et ben tu vois, j'ai réussi. 5, ça a l'air bon. Oh putain. C'est bon.
Tout va bien. J'ai juste tout à refaire. Je vais reprendre un cachet. Non, je suis pas spécialement malade, j'ai juste le crâne défoncé. Ça. Je sais pas si c'est parce que je me suis couché un peu tard, je sais pas. En tout cas, j'ai eu un coup. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Ah oui, bien sûr. Ça va foutre un peu de masse. Tu peux me dire, Monique? C'est parce que je suis tombé du truc. Faut que je refasse tout le périple, là. Je me suis bourré de chemin. Oh non, on va pas ça, quoi. La plante va bouger sans gorge. Putain. Il y a un autre coin. Hein. D'accord. Ok. Maintenant c'est ouvert.
Qu'est-ce que c'est ? Ah non, je vais faire ça. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il m'en est là ? Attends. Mais c'est quoi maintenant ? Ouais. Essaie de trouver un moyen d'ouvrir ce portail. J'attends là. Merci, Nate. Je t'en prie. Faire du mal. Hé, boulet ! Maintenant, c'est temps ! Il m'appartient ! Ah, t'as perdu ! Tuez-les tous les deux. Ah, et ben, c'est de mieux en mieux. Sors de là ! Oh mon Dieu, Nate ! Oh mon Dieu ! Oh là ! Oh mon Dieu ! Oh non ! Plantez-vous ! Maintenant, je suis énervé. Il est futé. Joli. Attention. T'as choisi la mauvaise idée. Non.
Oh, je l'ai même pas fait arriver celle-là. C'est pas possible. On y va. Avec. Par contre, pour les jeux, pour les messages. Oh oh. Ok. Oh oh oh. Oh.
Oui. Je crois qu'il y a une sorte d'échelle mécanique là-haut. Oui. J'ai vu que tu aimais le chat comme un gant. Ah non, j'ai vu que tu as animé le chat. Non, non, du coup, j'ai parlé. J'ai parlé de la synapse. Les yeux ouverts du silence disent rien. J'ai peut-être pris ma carabine quand même, non ? Possible. Revenir avec sa caméra. Comment il se la pète? J'espère que ça mène quelque part. Ah non, il se la pète pas en fait. Oh. Je peux plus nous échapper. Faire rigoler les poules. C'est là. Eh
Essayons par là. Oh, les pieds dans le sol, c'était pas beau. Y'a rien ici. Tout ça est si vieux. Moi, j'ai pas joué longtemps, mais c'est sympa, mais j'y jouerai pas des heures. Quoi. J'ai déjà passé un du SPS Cédric. De manière générale. Il l'a pas trouvé, il est juste mort ici. Ah, ma tête. Tout ça pour la grandeur. Une vie gâchée. Pour rien. Après, non, je prévois pas de... Je prévois pas de me l'acheter, non. Est-ce que t'es prêt à partir? Ouais. Plus que jamais. Voilà, c'est exactement 5 minutes. Il doit bien y avoir une sortie. Ah, la voix du geek en sans stream. J'ai pas vu, c'était quoi, chapitre 18? Ah non, non plus. Ça ressemble bien à une espèce de vieux treuil. Y a une corde. Je vais essayer de te la passer. Oh, je vois un tunnel. On peut sortir par là. Salut les mecs. Du calme, Eddie, du calme. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu les as pas vus? Oh non. Mon Dieu, non. On est piégés. Putain, mais c'est quoi? C'est mort! On va tous cramer! Eddie, reviens par là! Drake, si jamais on doit y rester, je veux que tu saches, je peux pas te saquer! Ouais, pareil, mon pote. Bon, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Ne fais pas descendre la corde! Vite! Oh!
tout rouillé. Impossible de le bouger. Ça, ça me rappelle ma soirée de Titanic. Elena, dépêche-toi! Bouge-toi, Nate! Oh!
Salut. Hello. Ah mais c'est pas vrai. Alors moi je suis bloqué dans un rocher là, il veut pas descendre comme il faut. Putain, j'avais fini le passage là. Je t'ai dit que ça allait être chaud, putain, je vais t'acheter des clopes, tu reviens, t'étais passé quoi. Ouais, t'as vu ça. Bébé. Il veut pas s'accrocher ce matin. Bah oui, c'est Lulu d'O2. Lulu. Ah, c'est Lucas. C'est ça, Lucas? D'accord. Bah, fallait le dire avant, je te fais chier à t'expliquer si t'es de la maison. Annoncez-vous, les gars. On est où, là? Je sais pas trop, là. Bon, enculé Nathan, quoi. Le gars qui a le... Ok, Lucas, bah ouais. Je peux pas deviner, moi. Te cache derrière un pseudonyme. Ça, c'est des gens, ils prennent des pseudonymes. Ça explique le sous-marin dans la jungle. Nate, par là, regarde ça. Bon, je voulais streamer Battlefront ce matin, et puis, alors, puis en fait. Oh, est-ce que t'as essayé, Kogu, le mode coop? Non. Sur Tatooine. Non, j'ai pas essayé. Alors, c'est assez basique, tu peux le faire tout seul. Tu sais, c'est juste des vagues d'ennemis, quoi. Mais alors, mon gars, t'as un jetpack. T'as une espèce de sensation de malade quand tu l'utilises. Et à un moment, tu te retrouves seul face à un AT-ST, là. C'est un truc de ouf. Franchement, la sensation que t'as, quoi, tu te sens comme une petite merde. Je suis sûr que si on était à la salle des machines, on pourrait remettre le courant. Il faudrait juste qu'on sorte d'ici. Et du coup, salut aux viewers qui sont sur ta chaîne. Et salut aux viewers qui sont sur la tienne, là. Ah d'accord. Bon, on y va. Ah oui, pardon, j'avais pas. Putain, tu l'as dit en même temps. C'est quoi ce délire? Nate, j'avais compris autre chose. Il est hors de question que je te laisse ici avec ces monstres. Mais on n'a pas le choix. Tu vas remettre le courant, tu reviens me chercher et après, on se tire d'ici, ok? Allez, fonce. Tu bouges pas, je reviens. Ouais. Bon là, moi, j'arrive à la fin. Là, je suis à l'avant-dernier chapitre. Je suis au chapitre 18. Yes. Il y en a combien? 22. Et dans le 2, il y en a 25, il me semble. Okay. Ouais, d'accord. Regarde en haut, tu sais, tu vois des mecs qui traversent un pont, tu veux que je regarde quoi d'autre? Il y a sûrement plein de trésors qui traînent, hein, mais... vu qu'on peut refaire les niveaux complètement cheatés avec les munitions à l'infini. Ça vaut presque le coup de, tu sais, de pas trop les ramasser, de refaire les niveaux. Problème a pas de solution, c'est que c'est pas un problème. Ça, c'est une phrase à laquelle est comme ça. Lao Tzu a dit. Putain, mais vous êtes matinaux là, vous êtes déjà 10 là sur le stream. Alors.
va pouvoir escalader. Ah, c'est là. Sullivan, réponds. On peut sur l'attente comme ça. Vous êtes matinaux à 10h50. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est, ce pétard? Alors, attends, tu crois qu'il... On va... Ce décor magnifique. Mais c'est pareil, toi, c'est ce qu'on disait hier. C'est complètement con comme phrase, mais... Imagine la chance qu'on a eu de naître, entre guillemets, en France ou dans un autre pays. T'imagines que t'aurais pu naître ici, quoi. Dans un putain de village à flanc de montagne, au fin fond du Tibet, quoi. Est-ce que ça aurait pas été mieux? Oui, peut-être. Merde. Bon, bah là, c'est pareil, tu fais une croix sur la fibre, hein, mais... Et je suis comme une smoule de couscous qui colle. Allez, bon café à toi, Moumout. Ah, bon café, Moumout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense que c'est là qu'il faut qu'il s'attrape. Oui. Hop, là on voit les briques. Alors ça avait été beaucoup reproché à Uncharted qu'on voyait vachement les endroits où s'accrocher. Moi ça me choque pas plus que ça. C'est pas plus mal, je trouve. Tu sais que ça soit un peu surligné les endroits où on peut s'accrocher là. Mmh. Parce que dans Tomb Raider c'était pas le cas les premiers et donc tu passais ton temps à sauter contre tous les murs. Je crois que tu peux le désactiver ça. Potentiellement un endroit où tu pouvais t'accrocher. Oh merde. C'est assez casse-couille. Un corbeau. Ah oui. Passe, non, même pas. Wow. C'est quoi, ça va tomber ici? Il a pas pied là, le mec. Hein. Ah, voilà. Putain. C'est reparti. Ah, merde. L'autre il jette des grenades quand même, il a la confiance quoi. Putain mais c'est immense le truc maintenant quoi. Pour te perdre. Ah il veut pas le faire tomber. Ah ce qui est chiant dans les combats c'est que les QTE s'affichent pas quoi. Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme arme? Allez, c'est reparti pour la tournée de headshot. Alors attends. Je suis comme une toile de côté. Toi, il est touché. Oh, voilà, d'ici on est pas mal. Ah oui, l'autre est là. Okay, à plus. Ah putain. Ah bah ils m'ont cassé ma cabane. Oh. Ça doit être la salle des machines. Ah voilà, les grenades. Sont assez tendues à placer où on veut exactement quoi. Dès que tu veux faire un peu un exercice de style. Ah,
Genre l'envoyer sous tes pieds et c'est baisé quoi. Dieu soit loué. Bon, vous êtes calmé? Quand même. Ah putain. Ah, il est juste sous mes pieds. Faut que je saute en face quoi. Ok. Ah. Bon, lui il est fini. Ah, il est là. Faut pas oublier le pourquoi du comment. On cherche un accès pour... Oh! Ah oui, je me rappelle de ce passage. Gaffe qu'ils approchent pas trop quoi. Et voilà, elle est encore pile devant moi quoi. Merde. Ah ouais, bon, c'est lui en premier. Oh merde. Oh, on a eu trop de chats, parfait. Merde, putain, dommage. Eh ouais, là ça pardonne pas. Hein. En patator comme ça, boum boum quoi. Mais bon, c'est gérable, y'a rien de compliqué. Oh, oh. Ah, le lance-grenade, hein. Le mec qui a inventé ça, il était cocasse. Hein. Il avait envie de rigoler quoi. T'es dit les mecs, je tiens un truc, on va se fendre la gueule avec ça. Alors il a pas pris l'arme que je voulais en fait, voilà. Ah, je vais tirer une balle dans la main quoi. Le mec il s'est dit les gars, je tiens un dos. Putain. Remonte. Ce qui fait chier, c'est qu'il faudrait que... Aïe 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 aïe. Putain, j'avais... Ah, il est là.
Eh bé, ah voilà, moment de panique, voilà, Uncharted. Pour ça, c'est casse-couille. Tu fais rond et il sait pas où se cacher, quoi. Il court dans tous les sens. Le système de couverture est pas cool, quoi. Bah, à l'époque, il était bien, mais il a vieilli assez vite, en fait. Putain, j'ai fait le con, j'aurais dû garder, mais... Oh putain! Putain! Allez, là il me fait une roulade alors que je lui demande de se coller au truc, quoi. C'est assez pénible, hein, sans déconner. Salut à toi, Wara. Je suis parti où là? Non mais... Le problème c'est que dès qu'il y a trop de... Et en plus il sort pas de son cover tout seul, il faut faire un mouvement de stick. Genre il faut faire un quart de tour pour qu'il s'éloigne de... Bon ça va ça. Ah putain, il est pas mort lui. Merde. Non mais les gars, ça va. Allez, tu peux le faire. Bon, on a passé plus dur, hein, mais... Ça, ce que je comprends pas, c'est que tout à l'heure, une balle, ça l'a tué, lui. Ah, grenade, il a pas aimé. J'en ai pourri. Le souci, c'est qu'il y en a un gros qui arrive après derrière, quoi. Ah, ces trucs ont dû s'occuper de leur sort. Non, 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 pourquoi ils se collent ici? Aïe, 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 aïe. Putain. Comment je vais sortir de là? Droite ou gauche? Non, la gauche. Ah voilà. Elle est où? Elle est de l'autre côté du poteau. Donc.
Voilà, c'est lui qui va poser problème. Oh, c'est bon. Qu'il est assez gourmand en mune, quoi. Peut-être faut lui faire sauter son petit chapeau. Hop, et lui. Voilà. Là, on est bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le chat? Salut à toi, Zelda Kadabra. Tu l'as download ou sur CD? Non, c'est le jeu sur CD. Pour les viewers qui se posent la question, multi-twitch, vous pouvez voir Kogu ici. Yes. Alors, attends, parce que ça fait quoi maintenant? Ça met TV Info, Kogumaza, 110 followers, 1300 vues. Ah, yes, ça met les infos. Ça te met tes infos, en fait. Tes impressions sur la bêta de Star Wars? Eh ben, sincèrement, alors, voilà, après, je suis un gros fan de Star Wars, hein. Toi, Kogun connaît personnellement, il peut en parler, parce que j'en ai plein la maison. Mais le truc, c'est que moi, c'est un jeu qui me plaira seulement s'il y a 170 cartes. Parce que les trois cartes qu'on a là, franchement, je sais pas ce que t'en penses, Kogu, mais moi, me parle pas beaucoup, quoi. Moi, j'en ai fait que deux, de toute façon. Alors, c'est super beau, c'est photoréaliste et tout, ça claque vraiment, par contre, pour le coup. Et le son de design, bon, voilà, c'est la base, quoi. Star Wars, de toute façon, ils pouvaient pas faire autrement que ça, quoi. Mais c'est un style de jeu qui me lasse assez vite, moi. Même quand on y joue entre potes et tout, quand il n'y a pas d'histoire... Un mal si terrible ne doit jamais quitter ses rivages. Ah, le petit salaud. En cet instant ultime, quand il n'y a pas d'histoire, bon. Après, après voilà, s'il y a beaucoup de maps, je dis oui. Mais ah, mais c'est qui tire? C'est elle? Mon Dieu. Ouais. S'il y a beaucoup de maps, oui, j'achète. Hein, mais attends, où c'est? Attends, parce que je comprends pas là. Si, ça doit être la meuf qui tire. Ah, là, y en a un. Oh non, pas encore. Putain, mais tu voulais faire une pause. Ah, salope. Le Discord nous dit la bêta déjà effacée. Ah oui, bah oui. Oui, ça manque de map. C'est marrant, 10 minutes, nous dit Kalec. Bah, c'est ça, quoi. En plus, moi, je suis pas un gros fan de, même à Call of ou quoi que ce soit, des arènes en règle générale. Sous des mêlées générales, quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais non, après, voilà, ça fait le job, hein. Si t'es fan de Star Wars, direct, c'est la claque, hein, quand même, hein. Mais je me suis vite fait chier, mais pareil, écoute. Et puis, alors, moi, j'ai un talent certain dans ce type de jeu pour faire fuir les gens. Si je peux courir 10 minutes sans croiser personne, hein. Donc, c'est assez casse-couille, assez lassant, quoi. Wouah. Ah ouais, putain, ça y va les rayons laser là. Jean-Michel Jarre, oxygène 12. Tintin. Je pense qu'il faut que je prenne de la hauteur. Wouah. Pas bon, on verra bien, quoi. Mais oh putain, mais les gars. Wouah. Allez, je reviens. Alors attends, parce que là il y a une échelle. Bon, à tous les coups, je dois contourner je sais pas quoi, je dois contourner Conly pour aller à je sais pas où. Alors là, je peux descendre. Il faudrait pas descendre pour mieux remonter, dirons-nous. Ah non, c'est qu'il y a un trésor, on va aller le récupérer. Ça va être souvent répétitif. Bah ouais, c'est ça le truc, quoi. Bon, non, a priori, c'est pas par là. Je suis parti, je sais pas où, là. On s'en fout. Ah, non, je voulais une roulade, là, pour le coup. Pardon. Donc, après, à voir, hein, mais... Eh ben là, ah, voilà. Je pensais que tant qu'il visait, on pouvait pas y aller. Eh, bouge-toi le cul. Donc, après, on verra, quoi. Mais c'est un jeu qui tournera pas avec 20-30 maps différentes, quoi. Donc je sais pas, une fois qu'on aura repoussé 40 fois les AT-AT, qu'on aura survécu à 4000 vagues
de bidule, enfin. Je pense que naturellement on ira jouer à autre chose quoi. Ah mais il y en a là-haut. Même si l'enrobage est beau, hein, voilà, c'est ça le problème en fait. C'est que l'enrobage est cool, mais il est censé y avoir un mode histoire. Non, Moumout. Non, il n'y a pas de campagne. Hein. Ils l'ont dit de suite. Ils l'ont dit de suite. Il n'y aurait pas de campagne. Bah, comme dans Rainbow Six, quoi. Ils sont même pas fait chier, quoi. Alors, est-ce qu'il va vouloir l'attraper? Ouais. Alors, vu qu'il n'y a pas de QTE, je pense que quand il tape, faut que je fasse triangle. Mais ça marche pas, ça marche pas. Alors, faut vraiment pas qu'il me bute, lui. Bon, ça va, il met des patates de forain, Nathan Drake. Bon, là, je crois qu'il y a des snipers, normalement, qui sont posés contre un rebord, là, non? À l'étage du dessus. Comme des lapins. Oui, bah oui. Ah, une grenade. Waouh. Ah, j'ai cru qu'il allait sauter dans le vide. C'est pas ce que j'ai lu. Moi, déjà, sans histoire, c'est pas mon délire. Bah ouais, non, il y aura pas d'histoire, tu vois, nous dit Kalec. C'est un full multi. J'ai lu de la marde. Wow. C'est un full multi. Full monkey. Je m'auto-sors. Loupé! Ah ouais, non, mais ils sont tout petits, quoi. Putain, je vais décéder de la tête, quoi. Ah, c'est qu'il y en a un en dessous, là-bas. J'ai des espèces de migraines depuis ce matin. Ouais, voilà, un truc qui date de... Putain, Nathan, quoi. Ça, c'est un truc que je lui reproche, quand même. Et aux aventuriers, en général. Sur 5, enfoiré. Or, pas de micro de votre côté. Quel dommage. Alors, j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Parce qu'il zoome pas du tout, le sniper, en fait. Navarro, si tu n'arrives même pas à contrôler une pauvre fille, ça n'arrivera plus. Croyez-moi. Chasse au lapin simulateur. Vous ne passerez pas. Ah là, ça va être compliqué avec ça. Merci pour nous avoir mené à Eldorado. Bien sûr. Oh, vous ne m'en voudrez pas si nous gardons. Ouais, là, j'ai que des Doliprane 1000. Juste pour vous découvrir. Tiens, sur mon deuxième depuis ce matin. Ouais, j'ai mis 3 cafés. Je vais arrêter parce que du coup j'ai mal au guide. Ouais, rigole, trou du cul, c'est pas fini. Ça va pas aller jusqu'à là-bas, non. Il est où mon fusil de sniper? Il est là. Je vais déjà m'occuper de... C'est pas bon, ça. Ah merde. Et pour aller à Nimasia, en fait, poulet, c'est le dé qu'il faut prendre au quinconce, c'est ça? C'est au hangar 14. Oui, oui, mais pour aller au hangar 14, il faut bien y aller en train. Donc faut bien le prendre le B au quinconce. Bah, c'est la ligne. Putain, en plus, ils ont changé le nom parce qu'ils l'ont allongé il y a pas longtemps. C'est la ligne. Oh, j'ai tiré complètement au pif. Merde, je sais plus. C'est la ligne. Si, c'est la ligne B, celle de Pessac. Parce que du coup, oui, c'est celle qui fait Pessac et qui va jusqu'à Bacalan. Ok. Encore un jeu qui aura le droit à des tox qui le torche. Ouais, et puis c'est déjà le cas. Hein. On est tombé sur 2-3 furieux hier. Bon, je sens que c'est des mecs qui jouent à Call of. Et... qui m'appelle. Oh putain. Et des vieux noobs qui découvrent un Star Wars. C'est ça. Alors, je répondrai pour.
Et voilà, Nathan Drake. Le gars, il marche sur un bout de bois, il s'écroule. Ya. Bon, ça, c'est Indiana Jones à mort. Gros clin d'œil de ouf. Hein. On peut pas se tromper. Oui, je suis encore là, chérie. La contre-plongée comme ça, c'est énorme. J'ai le gars qui prend par un tout petit bout de bois qui doit tenir par un vieux clou, mon gars rouillé, quoi. Un vieux clou qui a 200 ans. Un vieux clou forgé. Ah bah, et il a lâché. Salut Nordine. Il a lâché. Bon, faut que je me dépêche alors. Allez. Voilà, je martèle X, voilà. Comme ils disent dans Speed, il y a un des passagers du bus qui dit à Kenny Reeves, ça, c'est valable un peu pour Nathan Drake, t'as peut-être pas inventé la poudre, mais t'as une paire de couilles de 2 kilos chacune. C'est un Amérindien qui dit ça, ou je sais pas quoi. Hier, je suis tombé sur une équipe des drogués. Ah, tu vois. Ça n'en finit jamais. Comment il monte les marches, j'adore. Ah oui, je me rappelle de ce passage. Alors, quand tu arrives dans une zone et que tu vois que ça scintille de partout, il va y avoir du people. Ça va, le M4 il fait suffisamment mal. Ça c'est cool, tu vois. En mode difficile, c'est toi qui as moins de vie, c'est pas les ennemis qui sont devenus des sacs à plomb là où faut leur tirer 18 cartouches dans la tête pour. Bon, attends, y en a un qui a un lance-patate là. Ok, je viens de le voir, c'est lui là. Je suis pas du tout bien placé. Oh, le jump! Et je trouve que quand t'es rebelle, t'as plus de chance de gagner. Ah. Hey, vont là-bas. Mais de toute façon, il faut que j'attende, comme j'ai déjà pris un cachet. Là. Ah, t'as mal au crâne. Ah, galère. Moi clairement les doliprane ça me fait plus rien du tout. Il faut alterner un peu aussi. Oh. On va les laisser venir un peu. Il est là-bas. Vas-y. Attention. Wouah. Il louche pas les mecs quand ils te lancent des grenades, hein, mon gars, tombe à tes pieds quoi. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, il y en a un là. Tu vois?
Ah putain. Attention. Oh putain, je me relève à ce moment-là, quoi. Je me disais, je le vois plus. Ouf. Ouf. Oh putain. La meuf, on dirait, elle a un pistolet à billes, elle tue personne. Eh ouais, bah ouais. Au moins, elle les touche un peu, donc ça les... Clac, clac, ça les ralentit un peu. J'aime bien parce que Nathan il leur dit dégagez comme s'ils allaient dire bon d'accord pousse. Ah, j'ai plus de grenades. Bon, voilà. Il va falloir le laisser monter un peu. Allez, approche. Ya 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 ya. Oh putain, rebondissent. Bon, lui aussi rebondit. Faut que je le vise pile à lui. Oh putain, le truc il sert à rien quoi. Et mon M4, il est passé où? Oh, oh, oh. Ok. Oh 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 oh. Ah mais il est là-haut, je le voyais.
Mister B. En espérant que ça fasse pas tout sauter. Putain, hier soir quoi, pas d'internet. Hein? J'ai failli t'envoyer un texto pour te demander, c'était, tu sais, les serveurs DNS. Ah oui. Et du coup, bah j'avais plus que la 4G. Yo! Et du coup, j'ai réteint la box, j'ai rallumé 10 fois, quoi, puis c'est revenu tout seul. Ah ouais, du coup, hier, t'as galéré là? Bah ouais, putain, je voulais jouer avec. J'ai perdu son nom, avec Waranopédion. Et putain, quand j'ai voulu l'inviter, tout a sauté, quoi, je vous entendais plus, j'ai. Je vais me faire une clope. Bah alors, vos impressions sur Battlefront? Moi, je le trouve un peu plat. Ouais, on parlait tout à l'heure. Un petit peu de... Ouais, ça va pas avoir les épisodes. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le Rogue Squadron. Squadron, là. Où tu peux piloter les avions. Là. La version complète, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus énormément de modes. Ouais. C'est un peu dommage. Alors Kogi, t'avances bien là, en mode extrême? Chapitre 18. Ah bien. Et ta veste, t'en es où là? Chapitre 22 ou 23 sur 25. Bon, ça va. Et là j'ai passé le pont, donc c'est un des passages dans le souvenir où j'avais un peu galéré. Là ça va, c'est passé assez vite. Bah bon, bah faut pas qu'il y ait trois, hein, gentiment. Je transpire comme une pute à l'église. Là, c'est Sully, non? Ouais. Le doubleur de Nathan Drake, il a bien enregistré des centaines de... Alors ici clairement, si tu veux faire monter les stats du trophée tuer 20 ennemis en étant sur un rebord, là je me laisse tomber, je recommence à l'infini. Oh putain, où il fait... Il te fout la grenade l'enfoiré quoi. Oula.
Ah oui, là je me rappelle avec les poutres et tout. L'IA et les grenades, c'est une grande histoire à Uncharted. Hein, précision chirurgicale quand il lance des grenades. Ah ouais, par contre, il vise bien, ouais. Il te la met sur les doigts, quoi. Il y a pas de trésor ici. Oh merde, putain, je sentais bien un passage pour un trésor là. La cutscene. Le team Schaeffer. Putain, ils font une fauve de promo en ce moment. Chapitre 23. Sur la PS4, là, t'as deux manettes pour 400 euros, t'as FIFA 16, deux manettes et Batman Arkham Knight. Toi. J'avoue. Ça vaut le coup, là. Alors, à ce prix-là, je pense que dedans, t'as le droit à... T'as le droit à des codes de téléchargement. Ça me paraît bizarre que... Parce que FIFA, bon, il vient de sortir. Il vient de sortir. Je me cache là. Ah, je vais recommencer le 2, je vais le mettre en extrême directement. Ah bon? Ça donne... Ouais. Voir ce que ça donne. Allez, on va... Ah, tu viens de le finir le 2? Non, non, non. J'étais au chapitre 3 ou 4, mais du coup j'enlève, je vais le mettre directement en extrême. Ah ouais, non, mais franchement, tu peux, tu vas voir, ça se fait easy. Hein. J'ai l'impression que les mecs ils sont plus faciles dans le 2 que dans le 1. Je sais pas, même. Enfin, quand ils touchent, ils font moins de dégâts, je trouve. Mais non, j'en ai quand même ici, en normal. C'est peut-être le fait que j'arrive mieux à contrôler le gameplay déjà. Dernier, t'as pas trop peur? Ouf, ah non, c'était pas le dernier. Maclou, c'est un lance-moquette. Ouf, oh, calmez-vous là. Ah, bah, ah ouais, là, après ça. Baiser, là. Oh, ça, ça regarde. Oh, et je hop. Repars de là, les salopes.
Oh et merde. Et ben voilà, parfait. Sully, tu m'entends ? J'arrive au chapitre 20. Chier. Sully, répond. La sauvegarde de vie. J'arrive. Ils retiennent Elena, faut qu'on les arrête. Où la grenade ? Ouais, moi je suis dans la merde. Ces salopards m'empêchent d'entrer dans l'église. J'y suis presque. Oh là, oh là, oh là. Hop. Sauvegarder. Et toi ? On va faire double sauvegarde. Hop.